Nous avions quitté les protagonistes de la série production sur un spectacle de haute volée à Marchand-en-Beaujolais. Et nous les avons retrouvés le week-end dernier pour la 56e course de côte de Villafranche et Chevannes, 8e manche du championnat de France de la montagne 2019. Dans des conditions caniculaires tout au long du week-end, les pilotes ont dû se frayer un chemin sur un tracé escarpé, technique et diablement rapide. Cette épreuve n'a pas manqué de spectacle et de rebondissements. En s'imposant à Villafranche et Chevannes au volant de sa McLaren MP4 12C, le franc-comtois Pierre Coura repart de la vallée de l'Allou en leader du championnat de France de la montagne 2019. Même si le jeune pilote a rencontré des problèmes d'embrayage lors de la journée du samedi, il ne s'est pas fait prier pour signer coup sur coup des chronos très rapides et sera le seul à descendre sous la barre des 2 minutes 05. Même s'il a assuré lors de la troisième montée, c'est bien lui qui s'impose dans le doute. Donc je creuse un peu l'écart au niveau du championnat, je repasse en tête. Donc forcément, là pour la suite du championnat, on va essayer de faire les courses qui vont suivre. Donc voilà, on va faire au mieux pour aller chercher ce titre et on espère que on va pouvoir le décrocher. Donc voilà, très, très satisfait de cette victoire sur un tracé compliqué où il faut vraiment être confiant avec la voiture. Derrière, c'était très serré. Grâce à une attaque dont lui seul a le secret, Yannick Poncinon termine deuxième de la course de côte de Villafranche et Chevannes au volant de sa BMW M3U92. Nicolas Ververt échoue quant à lui à une demi-seconde du pilote vosgien. La faute, en partie, à un souci de dashboard. Il termine troisième de l'épreuve avec sa Porsche 997 GT2. Comme un marchand en Beaujolais, c'est Frédéric Neff, le pilote suisse, qui prend la quatrième place des GTT S4 au volant de sa Porsche 996 GT3 Cup. Pierre Béal, quant à lui, ferme la marche de la classe au volant de sa Volvo TC10 S60. Il termine 9e du scratch. Après sa victoire à Marchand et la deuxième place de son frère, Christophe Poincignon s'impose en FC au volant de son Simca CG Turbo. Il prend la 5e place du scratch. Geoffrey Carcrève termine 2e de la classe et prend la 8e place du scratch avec sa Scora Maxi. Il devance Xavier Burgevin et sa JD, 3e des FC et 10e du classement général. Au pays des A5, les Seat Leon Supercopa sont toujours les rênes. Antoine Uny amène sa MK2 à la première place de la classe et à la 6e du classement général à Villafranche et Chevannes. Il devance Francis Dozier au volant de sa MK3, 7e du scratch. Et Jérôme Jani au volant d'une MK2 qu'il découvrait suite au crash dont il a été victime à Marchand-en-Beaujolais. Au volant de sa Renault Clio 2 Cup, c'est Stéphane Martinet qui remporte la classe A3. Au terme d'une grosse bagarre, il devance Julien Paget au volant d'une Clio 3 Cup. Et Michel Binou, au volant de son atypique Nissan Almera, qui clôt donc le podium de la classe. Notons la très belle 4e place d'Élie Théophile qui découvrait sa nouvelle Renault Clio Cup à peine reçue. Le gardois termine meilleur jeune de la série production. Aurore Dodil, quant à elle, termine meilleure féminine de la série production, également au volant d'une Renault Clio Cup. Même s'il a connu quelques soucis de boîte de vitesse, Frédéric Santarelli s'impose en GT Sport au volant de sa Porsche 911 Turbo. Il devance le pilote francilien Philippe Marion de retour aux affaires le week-end dernier avec sa 997 GT2. La victoire dans la classe M3 est revenue à Jean-Noël Claude-Pierre en volant de sa Honda Civic Type R. En N4, c'est Pascal Katz qui s'impose. Il renoue ainsi avec le succès à Villafranche et Chevannes au volant de sa Renault Mégane RS. Il s'impose ainsi devant Hugo Bourny et sa BMW M3. La bataille a été épique dans la classe F2000. À l'arrivée, c'est David Lamarche au volant de sa Renault Clio 3 RS qui s'impose. Il devance Samuel Durassier sur la Honda Civic Type R qui n'a pas pu participer à la dernière montée de course. Comme un marchand en Beaujolais, Jean-Marc Tissot remporte la classe GTTS 1 au volant de sa midjet. Jean-Michel Godet, le pensionnaire du Team Chat Compétition, termine deuxième de la classe au volant de la même voiture. Prochain rendez-vous en Haute-Loire pour la 50e course de côte de Dunières-Auvergne, 9e manche du championnat de France de la montagne 2019, les 20 et 21 juillet prochains.